Bienvenue sur ma chaîne Crypto NCF. Ici, je vous parle d'investissement, de sécurité et crypto-monnaie et je déniche pour vous des pépites. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Pulse X dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que la Pulse X? Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la Pulse Chain. Et bien, Pulse X sera l'exchange le plus liquide de la Pulse Chain. Donc, Pulse X, c'est l'exchange et Pulse Chain, c'est la blockchain. Alors, aujourd'hui, on parle de la Pulse X en français. Et donc, il y a la phase de sacrifice qui a lieu actuellement. Les sacrifices, c'est quoi? C'est j'envoie mes tokens ou de la liquidité, des USDT, des USDC, de l'Ethereum, X, bref, tous ces tokens-là, je les envoie à une adresse. Et on me crédite des points. Et ces points-là seront convertis en token Pulse X une fois que cela sera lancé. Et bien aujourd'hui, vous pouvez voir que on a plus de 900 millions. En fait, on a plus d'un milliard de dollars qui sont déjà sacrifiés. Donc, pour le voir, on va sur Pulse X Lead. Donc, voici l'ensemble des personnes qui ont sacrifié. Donc, qui ont envoyé de la liquidité pour le démarrage de la Pulse X. Donc, chaque dollar, à un certain moment, donnait 10 000 points. Donc, aujourd'hui, pour 10 000 points, on a 3,56 dollars pour avoir 10 000 points qui seront certainement 10 000 PLS, dollars PLSX ou Pulse X. Donc, si vous aviez fait le sacrifice entre le 29 décembre et le 10 janvier, vous aurez eu 10 000 points pour 1 dollar. Donc, 10 000 Pulse X pour 1 dollar. Aujourd'hui, c'est pour 3 dollars. Et au 25 février, eh ben, vous en aurez pour pratiquement 10 dollars, 10 000 points. Donc, là, nous avons déjà plus de 900 millions, ça c'est que sur l'ETH, sur la blockchain Ethereum. Mais il y a alors des adresses qui ont fait des sacrifices sur, sur Binance. Et donc là, on peut voir un total de 1 milliard 13 millions de dollars. Donc voilà. Si on prend par exemple cette première adresse, elle a fait un sacrifice de 48 millions de dollars. Donc, si une personne ou une personne comme celle-ci fait un sacrifice de 48 millions de dollars, ah bah, je pense que on peut faire un sacrifice de 100 dollars ou 200 dollars sans craindre. Et en plus, Richard Hart, qui est le promoteur de la Pulse X, a déjà lancé ce projet X. Et donc, on peut voir le prix du X aujourd'hui, il est de 0,19 dollars et un market cap de 33 milliards de dollars, 33 milliards 900 millions, presque 34 milliards de dollars. Et du coup, vous voyez que c'est pas de la blague. Et depuis le lancement du X, je crois, si on prend all, on peut voir que on est parti de 0,00027, donc ça a fait plus d'un million. C'est ça, non? Ben, pour ceux qui sont forts en calcul, vous verrez que ça a fait plus d'un million. Parce que là, c'est le prix lors du lancement sur CoinMarketCap, mais c'était déjà lancé précédemment. C'était également par Sacrifice. Donc, je crois que ça a lancé à 10 000 points pour 1 dollar également. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est à plus, ça a fait plus d'un million pour cent. Donc, c'est pas un rigolo qui est en train de lancer la Pulse X et la Pulse Chain. Alors, dans des vidéos, je vous parlerai un peu plus en détail de comment est-ce que on fait ce sacrifice. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous la conseille. Donc, alors, dans le monde français, on ne parle pas de ce projet, je ne comprends pas pourquoi, mais donc je vous invite à faire vos propres recherches et à investir si vous vous sentez tenté par cela. Et donc, savoir que la Pulse X sera opérationnelle probablement au mois de mars.
Donc, il explique dans ses vidéos, Richard Hart, l'ensemble de ce qui reste à faire avant le lancement. Vous pouvez également le voir en faisant quelques recherches sur YouTube. C'est quelque chose à ne pas rater. Alors, si vous attendez au 25 février, vous allez l'avoir pour 9 $. Donc, ça fera fois 3 le prix d'aujourd'hui. Donc, dépêchez-vous si vous voulez faire des sacrifices, apporter de la liquidité à la PulseX et avoir des tokens en retour. Donc, voilà, je vous remercie et je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer la cloche de notification afin d'avoir en prime les informations que j'ai à partager. Merci, ciao.